C'est parti. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, je suis très heureux de vous retrouver pour le quatrième épisode de la saison 2 de Grand Format, l'émission où l'on parle regard et culture de l'image. Alors, l'émission de ce jeudi 16 avril est diffusée en direct et ouverte à tous. Pour les anciens épisodes, par contre, ils sont réservés aux abonnés de Studio Gimli, notre site de formation à la photographie, dont l'adresse apparaît en bas de l'écran. Il y a un site que je vous invite chaleureusement à découvrir si toutefois vous ne le connaissez pas. Alors, il y a du monde déjà. Bonsoir Louis, bonsoir Yves, bonsoir Catherine. Alors, je vois qu'il y a des gens du Québec, de Toulouse, du Luxembourg. J'espère que vous allez bien. Un petit mot en introduction sur l'actualité de Studio Gimli. On termine actuellement une mise à jour importante sur les logiciels de retouche Photoshop et Lightroom, avec un focus sur l'intelligence artificielle, mise en ligne fin avril, début mai, on vous dit très vite. Et nous avons aussi, il y a quelques jours, passé un moment mémorable et joyeux avec la photographe Pauline Petit pour une prochaine masterclass. Nous sommes sur le montage et ça promet d'être un très beau moment sur Studio Gimli. Voilà, fin de la parenthèse. D'ailleurs, pour celles et ceux qui nous suivent depuis le site, vous pouvez rejoindre le chat, tout simplement en cliquant sur le lien qui est au-dessus de la vidéo. Un petit mot rituel en introduction. Sylvain, mon acolyte et ami de Studio Gimli, est en coulisses. C'est lui qui règne sur la régie de cette émission. Merci à lui. N'oubliez pas de lui laisser un petit mot de salutation sur le chat. Il est là, et bien là. Voilà pour l'introduction. Je vous propose maintenant d'accueillir les deux chroniqueurs qui m'accompagneront dans cette émission, en même temps que le menu va apparaître en bas de l'écran. Ils vont me rejoindre. Salut Gildas, salut Frédéric. Hello. Vous allez bien ? Très bien. Bon, Gildas, on commence par toi. En ce moment, petite actu, je crois que tu enchaînes les workshops. Tu étais il y a quelques jours à Londres, c'est ça ? Oui, et puis bientôt à Annecy, puis à Lille, puis à Paris à nouveau. Bon, Gildas en tournée, donc photographique. On va dire ça. Ouais. En tout cas, ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas eu dans cette émission. Je suis très heureux de te retrouver ce soir. Et pour cette émission, tu t'es emparé à bras le corps d'un sujet. Est-ce que tu peux nous dire de quoi tu vas nous parler ? Forcément, c'est un sujet dont on pourrait parler encore et encore, c'est-à-dire le corps, mais pas forcément le corps au sens figuré. Peut-être également un peu plus dérivé vers le corps de l'image, la surface propice à l'évasion. Voilà, voilà. Très bien, on a eu une petite baisse de son, mais on t'a entendu. En tout cas, on retrouve ta chronique tout à l'heure. Après ta chronique, j'accueillerai la grande invitée de cette émission, Isabelle Chapuis. C'est une grande joie pour moi de recevoir Isabelle. C'est toi, Frédéric, qui m'en a parlé pour la première fois, avant que je ne me rende compte que certaines de ces images déjà m'étaient connues. En 2010, elle remporte le prix Picto. 2 ans plus tard, elle est primée à la Bourse du Talent et exposée ensuite à la bibliothèque François Mitterrand, qui l'intègre dans son fonds. Et depuis, son travail est régulièrement exposé en France et à l'étranger, dans les galeries et les festivals. Et dans cette émission, je vous emmène à la rencontre de son travail magnifique, avec comme fil rouge le corps, comme objet photographique, un voyage passionnant à la rencontre du vivant sous toutes ses formes, et vous verrez, c'est admirable. Frédéric, tu ne vas pas me contredire, j'imagine. Non, non, bon. J'admire beaucoup, beaucoup le travail d'Isabelle. Très bien. On va mentionner aussi ton actualité, puisqu'une de tes séries, Le blues de la ville intérieure, va être très prochainement, je crois, exposée à Arles. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Oui, le blues de la ville intérieure est exposé du 26 avril au 23 juin à la galerie Le Lac Gelé. C'est à Arles. Le vernissage est le vendredi soir, le vendredi 26 à 18h, et je serai présent aussi le samedi 27. Et après, pour voir l'expo, c'est sur rendez-vous. Il faut téléphoner à Richard Petit qui gère la galerie. Voilà. D'accord. Donc pour tous ceux qui veulent te rencontrer en chair et en os, les 26 et 27 avril à Arles, c'est ça ? C'est ça. Okay. C'est ça. Et ce soir, on te retrouve pour une chronique. Alors, les doigts croisés, de quoi vas-tu nous parler ? Ah, moi, je vais vous parler mensonges, trucage, retouche. Très bien. Eh bien, écoute, voilà pour le programme. En tout cas, j'espère qu'il vous plaira. En tout cas, je suis très heureux de faire cette émission avec vous. Frédéric, on se retrouve tout à l'heure en fin d'émission. Tu vas pouvoir regagner temporairement ta loge. Et je vais rester
avec Gildas. Et Gildas, je vais te donner le bâton de parole pour ta chronique. Je reste à tes côtés, mais surtout, je suis tout oui et je me réjouis de t'entendre d'avance. Merci bien. Eh bien, on y va, c'est parti. On parle souvent de l'âme d'une image, mais rarement de son corps. Pourtant, sans support, comment pourrait-elle prendre corps pour éclore dans le regard des spectateurs? Vous l'aurez compris, il sera question ici de la forme et du fond, du corps comme surface de l'âme, ou bien encore du corps comme sujet, comme alibi, comme expérience. Alors plongeons-nous à cœur perdu dans cette thématique. C'est un fait, sans support, l'image mort. En 1997, Louise Merzeau, photographe et professeur en sciences de l'information et de la communication, s'interrogeait déjà sur la matérialité de l'image. Elle disait « Entre les pixels, il y a du vide, et l'on peut se demander si une image transparente est encore une image. » Ces mots datent de plus de 25 ans, donc pas encore au fait de notre époque où les images, en plus d'inonder le paysage urbain, saturent désormais les réseaux, se diluent dans la variété des écrans, aux surfaces plus ou moins brillantes, plus ou moins calibrées, plus ou moins déformantes. De même, lorsqu'elle revêt un corps qui ne correspond pas, ou lorsqu'elle est maquillée à outrance, l'image perd inéluctablement de sa substance. Le support a vraiment son importance. Ce n'est pas un simple bruit de fond, il participe à la matérialité de l'image, comme dans cette œuvre photographique de Francesco Caponi. Alors, la surface sensible est directement disposée dans le fond d'une boîte de bonbons. L'image y est projetée et prend corps en s'imprégnant de la patine de la boîte. Rappelons l'adage de Robert Bresson, « faire du bruit, musique ». Une fois refermée, cette boîte s'avère être l'appareil qui l'a captée, un sténopé, « chair en boîte », c'est son titre, allie à la perfection donc le fond et la forme. Depuis ses origines, la photographie met le corps en perspective pour figurer des histoires. On peut parler de cette image très très célèbre, qui reviendra d'ailleurs, je crois, dans l'émission tout à l'heure, l'autoportrait en noyer d'Hippolyte Bayard. À ce titre, le célèbre autoportrait de Bayard représente un bon exemple. Lorsque déçu de ne pas avoir été reconnu et récompensé pour sa participation à l'invention de la photographie, il décide de se représenter en noyer, son corps figé nous racontant son mal-être. Le corps arrive donc comme expression de l'âme. En demandant à des danseurs de hip-hop de sauter dans l'espace urbain pour s'assurer la chute, le photographe Denis Darzac parvient à dénoncer la pesanteur sociale en opposant physiquement la légèreté des corps aux imposants bâtis immuables. Parfois, c'est l'inverse. Le corps fait corps avec l'environnement. Il épouse ses lignes, ce fond devient presque caméléon. Comme dans cette photographie du photographe britannique Bill Brandt, où les doigts entremêlés du modèle se confondent avec les cailloux de la plage de la baie des Anges, image surréaliste, minimaliste, sculptée par l'ombre et la lumière. L'ombre et la lumière, ce couple indissociable qui redessine et rend abstrait les lignes des corps saisies par Lucien Clergue, comme pour transformer le corps en paysage. Alors on prend volontiers le corps en entier ou fragmenté comme sujet, mais qu'en est-il donc de celui du preneur d'image, du photographe lui-même? Car lorsqu'on dit d'un photographe qu'il a bon œil, on se concentre uniquement sur sa vue, mettant alors de côté sa posture, pourtant capitale dans la construction de ses images. Paul Valéry, célèbre écrivain, philosophe et poète, issu du mouvement symboliste, a écrit « L'artiste, ou dans notre cas, le photographe, avance, recule, se penche, cligne des yeux, se comporte de tout son corps comme un accessoire de son œil, devient tout entier organe de visée, de pointage, de réglage, de mise au point. Ce qu'il faut retenir ici, c'est le « se comporte de tout son corps comme un accessoire de son œil ». En avançant, en reculant, nos jambes remplacent le zoom et nous forcent à nous impliquer dans l'action pour trouver physiquement la bonne distance. En nous penchant, en avant, en arrière, provoquant une plongée ou une contre-plongée, on induit un sentiment de domination ou au contraire donne de la force à son sujet. Nul doute, c'est bien le corps, sa posture, qui dirige notre vision. Bouba,
Alors, pas le rappeur ni l'ours, mais le grand photographe humaniste Édouard Bouba comparait le photographe à un danseur. En osant parfois adopter des postures physiques non conventionnelles, on parvient à générer des images aux angles de vue singuliers. En se baissant pour prendre cette photographie, Édouard Bouba met en valeur sa muse, Leïla, qui semble flotter dans les nuages. Oui, photographier, c'est aussi savoir faire corps avec son sujet. Ces pas de danse nous amènent à un autre grand photographe, Paul Himmel, adepte des poses longues. Dans sa série Ballet in Action, ses poses longues lui permettent d'enregistrer la chorégraphie des danseurs et d'en retenir le tracé de leurs gestes dans l'espace. Ligne temporelle qui évoque la partition jouée par l'orchestre. Nous sommes plongés au cœur du ballet. Si on ne stabilise pas son appareil lors de la prise de vue, lorsqu'on réalise des poses lentes, le mouvement de notre corps va venir se matérialiser dans l'image. Une touche similaire à celle insufflée par le geste du peintre qui dépose son pinceau sur la toile. Comme dans cette image de Bernard Plossu, autant d'obturations sûrement proches de la seconde, où un vase étrusque, objet pourtant inanimé, semble se mettre à vibrer sous nos yeux. Ce bouger, que beaucoup considèrent comme une imperfection ou un raté, véhicule en réalité une émotion vive qui vient casser la rigueur d'une simple et trop parfaite reproduction mécanique. Car à une époque où la technologie surpasse tout ce qu'on aurait imaginé dans le monde de l'image, alors que les boîtiers deviennent de plus en plus perfectionnés, sophistiqués, sensibles et rapides, maintenant que les IA, en quête de la forme idéale, peuvent tisser et modifier à l'infini les images, adaptant leur corps à toutes les situations, il n'est plus que jamais nécessaire de se jeter à corps perdu dans sa pratique, avec comme seul guide son ressenti. Merci, Gilda. Je trouve qu'on devrait toujours terminer tes chroniques par quelques secondes de silence pour s'en imprégner encore, pour qu'elles infusent, tant cette errance d'image en image est un moment raffiné et poétique. J'aime beaucoup. Merci beaucoup, Gilda, pour cette très jolie chronique. On te retrouve tout à l'heure pour ton tour de table, pour le tour de table recommandation. À tout de suite. Et nous allons nous rester sur la thématique du corps et du vivant, du corps ornementé ou du corps comme seul ornement, du corps et du vivant célébrés dans leur diversité, en accueillant la photographe plasticienne Isabelle Chapuis, qui va nous rejoindre presque immédiatement. Salut Isabelle. Bonsoir. Wow, tu es dans l'ombre et la lumière là. Ouais, c'est un peu fort. Bon, tu vas bien? Ouais, très bien, je te remercie, et toi? Très bien, je suis très heureux que l'on puisse parler de ton univers, de ta pratique dans cette émission, d'autant que je suis totalement sous le charme de tes images. Merci. Dans cet entretien, j'ai eu envie qu'on propose un voyage au travers de certaines de tes séries avec en fil rouge le corps comme objet photographique et la façon, ce qui est passionnant je trouve, dont tu le connectes au travers de ton regard au vivant. Et on va commencer par une de tes séries qui nous permet de découvrir ton travail. La série s'intitule Cocon. Est-ce que tu peux nous en parler déjà? Alors, Cocon, c'est une série qui a été assez fondatrice sur mon rapport à la lumière. Car j'ai pas fait d'école de photo et donc du coup, j'avais pourtant envie de travailler avec un esprit de studio, mais c'est vrai que pour en fait apprendre du coup la lumière de studio, j'ai surtout observé la lumière du jour. Et donc, cette série de photos, elle a été faite sous un Velux qui est devenu ma boîte à lumière favorite le temps que j'habitais dans cet endroit. Et la façon en fait dont la lumière coule sur la peau m'a vraiment inspirée, a été un fil conducteur sur la façon dans le temps ensuite de travailler la lumière. Et puis du coup, de travailler principalement toujours en lumière du jour. Ouais. Et puis bah, le thème du cocon, c'était vraiment l'idée de travailler sur l'enveloppe qui contient la dernière mue. Donc c'était un travail aussi sur ce qui est en devenir, sur ce qui va éclore. Ouais, parce qu'effectivement on peut entendre cocon de différentes façons. Il y a s'enfermer dans son cocon, par exemple. Mais j'avais le sentiment que tu photographiais justement ce moment décor en mutation. Entre deux états, où on est peut-être entre la fin de l'enfance ou de l'adolescence
et peut-être une maturité plus importante. C'était l'envie de la série. Alors, sur le passage d'un âge à un autre, cette série-là, elle était moins portée sur précisément la fragilité d'un âge de transition, mais en tout cas, elle racontait une transition, et avec le recul, évidemment, j'ai conscience que c'était une transition intérieure, qui parle de ma propre transition, mais quand je l'ai travaillé, j'en avais pas conscience. J'étais surtout fascinée par. Je revenais d'un voyage en Chine et puis c'était des. Chaque voyage m'a beaucoup toujours. Enfin, j'ai beaucoup voyagé. Chaque voyage m'a beaucoup inspirée. Et là, dans ce voyage, ce qui retenait beaucoup mon attention, c'était l'envie de ces femmes de se blanchir la peau, d'aller arriver vers quelque chose d'assez diaphane. Et puis du coup, en rentrant en France, j'ai travaillé sur des collants couleur chair. Ouais. Que j'ai travaillé avec différents matériaux. Là, ici, c'est de la laine mèche, du coton, plus tard. C'était vraiment l'envie de venir travailler sur des matières à la fois organiques et qui, en même temps, dans un travail assez léché, amène un contraste entre le brut et l'organique. Ouais, on va pouvoir développer durant toute cette émission, le rapport justement à la matière, le rapport aux textures. Tu fais de la photo qu'on dit plasticienne. Sur cette série, donc qui n'est pas une commande, hein, là on est d'accord que c'est une série personnelle, oui. On est aussi à la frontière d'un autre territoire, peut-être celui de la photo de mode. Est-ce que c'est un espace dans lequel tu te sens bien pour évoluer photographiquement entre la photo de mode et la photo plasticienne? Alors, aujourd'hui, c'est plus vraiment d'actualité, mais en tout cas, quand j'ai fait ces photos, donc en 2009-2010, je me voyais effectivement photographe de mode. J'avais envie de développer ça. J'avais l'impression, à cette époque-là, que la photographie de mode était un espace qui permettait vraiment une expression large de la créativité. Je le voyais comme vraiment quelque part une cour de récréation créative dans laquelle on pouvait vraiment s'exprimer largement. Et j'étais fascinée par Tim Walker et Guy Bourdin. C'était vraiment mes sources d'inspiration principales à cette époque-là. Et avec le temps, je me suis complètement éloignée du domaine de la mode. Mais à cette époque-là, c'était très présent. Et je pense que même si je m'en suis éloignée aujourd'hui, c'est resté en filigrane dans mon écriture dans mon écriture visuelle d'une façon ou d'une autre, quoi. Je reviens sur ce que tu as déjà abordé un tout petit peu, sur la réflexion plastique que tu vas avoir autour des matières dans cette série. Ici, on a des collants couleur chair. Toi, tu parles d'expérimentation. Qu'est-ce que tu as voulu expérimenter avec ces collants couleur chair? Bah, en fait, moi, je suis pas très fan de travailler mon image dans un second temps sur ordinateur. J'aime vraiment mettre les mains dans la matière, explorer, chercher, dessiner, découper, coller, peindre. Je viens de là initialement. Depuis toute petite, je peins, je dessine. Donc du coup, il y a aussi ce côté d'expérimentation plastique et manuelle qui est pour moi une étape importante dans la création. Donc là, j'ai pris des collants, j'ai essayé plein de matériaux différents, des fleurs, du papier, plein de matériaux. Et puis, au final, là, comme on peut le voir sur cette image, le bout des mains est teint avec du permanganate et puis une couture qui a été faite par une amie créatrice qui vient signer le bord des mains. Donc, c'était vraiment une exploration plastique qui a fait naître justement l'idée du cocon, en fait. Vraiment mettre. À cette époque-là, c'était la façon dont je travaillais, c'était partir d'une fascination pour une matière, et là qui était le collant. Et en fait, dans le collant, il y a le collant couleur chair, il y a à la fois quelque chose de résistant et d'extrêmement fragile, comme la peau, et qui était sûrement aussi peut-être à l'image de la façon dont moi je me ressentais, à la fois vulnérable et quelque chose en force en devenir, quoi. Oui, cette période de mutation et ces photos disent aussi un moment. Sans le dire de façon explicite, mais à un moment de ta vie de photographe. Ouais, complètement, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est les premières, ça fait partie des premières œuvres qui continuent à me suivre.
Et au final, les avoir appelés au cocon, bah, c'était ce qui était en train de se préparer. Ouais. Et qu'on va voir, puisque tu as poursuivi aussi cette série avec Cocon 2. On retrouve, je crois, dans cette série les couleurs chair, mais tu ajoutes une touche avec du coton, c'est ça ? C'est bien du coton. Oui, en fait, c'est la même série, Cocon. Ouais. Ça s'est fait le même jour, avec la même personne, avec la même équipe. Mais c'est vrai qu'il y a eu une écriture un petit peu différente. Mais pour moi, ce dont je parle depuis tout à l'heure sur justement la mutation, le cocon, cette image le raconte même mieux que les précédentes. Et il y a vraiment quelque chose qui est à la fois très vulnérable dans son corps. Et en même temps, il y a des lignes tendues, précises. Mmh. Et beaucoup de gens, en regardant cette image, me parlent du creux qu'il y a sous son bras, qui rentre par l'image à cet endroit, comme si c'était une expression de la caverne du féminin par laquelle on rentre pour découvrir une forme d'intériorité. Ouais. Ah, c'est rigolo, je ne l'avais pas vu, moi, avant que tu en parles. Et c'est drôle d'ailleurs, parce que coton, je vais y arriver, j'y arrive pas, c'est très dur, cocon, coton, voilà, les mots sont très proches. Moi je trouve qu'il y a une grande fragilité, peut-être pas, je trouve qu'il y a une grande douceur qui ressort de ces images, que ce soit dans la pose, l'éclairage, la tonalité des couleurs. C'est une lecture que j'avais, que j'aime, et effectivement celle d'un regard tendre que tu posais sur une période de la vie, mais c'était pas forcément le ressenti que tu voulais partager, du coup. Alors, pas spécialement sur, comme je disais, sur les âges de transition, mais en même temps, en fait, la lecture que tu en as, elle est aussi juste. Tu vois la façon dont la couture du bas passe sur son œil, il y a presque quelque chose de l'ordre de la cicatrice, sur la couture du haut qui est prête à craquer. C'est tout dans la fragilité et du coup dans ce qui est tendu et qui est maintenu, mais en même temps extrêmement qui pourrait aussi quelque part s'effondrer d'une façon ou d'une autre. Et ce qu'on ne voit pas là, mais c'est que le fond, c'était des soies que j'avais achetées, différentes crêpes de soie transparentes que j'avais superposées pour avoir justement cet aspect très un peu absorbant comme ça, où la peau se fond avec le fond puis la lumière du jour. On est encore sur la lumière du Velux là. Ah oui, c'est le même jour. C'est le Velux. Et du coup, en fait, ce qui était intéressant, c'était d'apprendre à être créatif avec des réflecteurs, en fait. D'apprendre à comprendre la lumière du jour, la lumière du fin de ça, comprendre le soleil, et puis comment on joue avec, en inventant différents types de réflecteurs avec différents matériaux, et voir comment la peau réagit, quoi. Comment est venu le choix du coton dans cette série ? Pourquoi tu t'es dit je vais travailler justement ? Pourquoi cette matière ? En fait, quand j'ai le collant, c'était justement cette fascination entre la fragilité et la résistance quelque part. Et puis j'ai essayé je l'ai rempli vraiment. J'ai essayé plein de matériaux différents, quoi. Puis j'ai gardé ce qui faisait sens pour moi, et c'était effectivement la laine mèche et le coton. Ouais. Voilà. Il y a un plaisir. Quelque part, le rêve. Quelque chose un petit peu même, l'univers du sommeil avec ce comme un rêve cotonneux, c'est ça. Quelque chose d'assez onirique. Et avec le temps, je me suis rendu compte que les années qui ont suivi, beaucoup de mes séries ont comme ça aussi des espèces de formes très rondes autour de la tête. Et je suis fascinée par les icônes religieuses avec leurs auréoles. Et je pense qu'inconsciemment, il y a aussi le fait de travailler comme ça avec un personnage, avec comme un disque autour de la tête. Il y a aussi une influence d'image. De l'iconographie religieuse ou dessin, etc. Ouais, j'ai énormément dessiné. Quand j'étais adolescente, je dessinais beaucoup des images de Bouddha et du Christ,
et même souvent des images syncrétiques des deux. Et je pense, du coup, c'est un peu des choses sans forcément qu'on en ait conscience, mais qui restent des fils conducteurs qui, comme ça, qui imprègnent un univers visuel, en fait. Ouais. Il y a une autre série que l'on va découvrir, où là, on est plus explicitement sur l'adolescence ou la fin de l'enfance. Le titre le dit assez bien, Barbapapa. Dans cette série, on a aussi un travail sur le corps en mutation. On est toujours sur l'enfance ou la sortie de l'enfance. Comment est venue l'idée de cette série et le fait de travailler avec du Barbapapa ? Je crois que donc du coup il y avait toujours cette fascination pour la matière, de trouver une matière qui soit un fil conducteur. C'est drôle parce qu'aujourd'hui ce serait plus du tout mon fil conducteur, mais à cette époque-là c'était vraiment des fascinations pour des matières qui expriment ce contraste entre quelque chose qui est fragile et en même temps qui est plein. Et donc dans la Barbapapa, il y a cette espèce de contraste de quelque chose qui est très volumineux et puis en même temps quelque chose qui va fondre et devenir quasi inexistant lorsqu'on le met dans la bouche ou même sous de la chaleur. Et donc là pour le coup, j'avais très envie de travailler sur le rapport aux âges de transition et sur la fragilité que cela peut représenter de sentir un corps qui commence à prendre une carrure, de l'ampleur, et en même temps d'avoir encore un cœur d'enfant, une maturité d'enfant. Et je trouvais que ce petit garçon, Axel, quand je l'ai photographié, il avait 9 ans. Et pour moi, il incarnait vraiment cet homme qui commençait à... ce jeune homme qui commençait à poindre son nez à travers... à travers son corps, sa musculature, entre guillemets, et en même temps l'innocence de son âge. Et je trouve que c'est des âges qui sont très intéressants, notamment à photographier, parce qu'ils sont pleins de frictions, de contradictions, de contrastes, de beauté et de choses en devenir. Mmh. C'est des parts de nous-mêmes, c'est des moments qui sont extrêmement... précieux dans la vie d'un adulte, ces passages-là, ils sont parfois fondateurs. Donc du coup, le fait de travailler avec un symbole de l'enfance et un garçon qui, justement, pour moi, venait raconter ce pile-poil, ces tiraillements qu'il peut y avoir dans ces moments de transition, ça a donné naissance à la série Barbapapa, donc à nouveau en lumière du jour, sous une grande véranda. Et c'était de la vraie Barbapapa. Ouais, c'est ça, j'allais te demander, ça ne doit pas être évident à travailler comme matière. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé un petit peu ? J'ai loué deux grandes machines professionnelles. D'accord. Le studio sentait le sucre à plein nez. Ouais. Il devait y en avoir partout. Il y en avait un peu partout, ouais. Oui, c'est clair. Et en fait, donc du coup, j'ai travaillé pour cette série avec un coiffeur avec qui j'avais déjà travaillé par le passé, Jonathan Dadoun, qui travaillait les cheveux d'une façon très mousseuse, d'une façon un petit peu justement proche de la Barbapapa. Et donc du coup, je lui ai proposé de travailler des volumes sur le corps du modèle qui reprenait cette façon qu'il avait de travailler la texture du cheveu. Et c'était des volumes extrêmement éphémères, notamment parce qu'on était en lumière du jour et donc sous une verrière avec une température qui fait que ça fondait en quelques secondes. Quoi. Ouais, ça a dû être un tournage collant. Mais c'était la photographie de l'instant, en tout cas. Ouais. J'aimerais bien, tu disais qu'Axel, ton modèle, a 9 ans. J'aimerais bien qu'on s'arrête un petit peu sur la façon dont tu travailles avec les modèles, en contextualisant peut-être avec cette série. Comment est-ce que tu as trouvé déjà ce modèle ? Est-ce que tu as fait passer des castings ? Est-ce que c'était un casting sauvage ? Oui, alors je travaille principalement avec des castings sauvages. C'est comme ça que je trouve la plupart de mes modèles. Donc des gens que je rencontre dans le quotidien, dans la rue, dans le métro, des gens qui retiennent mon attention. Des fois, quand je vais voir quelqu'un, quand je sollicite quelqu'un dans la rue qui a retenu mon attention, il arrive que je ne photographie la personne que très longtemps après. Donc, je veux dire, c'est que je suis en recherche constante de modèles, que je sois en train de travailler sur un projet ou non. Mais là, j'avais effectivement vraiment envie de rencontrer un enfant
ça pouvait être un garçon, une petite fille, qui racontait justement cette, qui manifestait vraiment très clairement cette transition. Ouais. Et je suis allée rencontrer, enfin j'avais une amie qui était institutrice et qui m'a proposé de venir dans sa classe. Et ça a été le coup de cœur avec ce petit garçon et même, enfin surtout un coup de cœur humain, et notamment avec sa maman qui a été vraiment enfin, en compréhension du projet, très ouverte. Ouais, je garde un souvenir fort de cette rencontre, vraiment une jolie rencontre. Et du coup, c'est pas un modèle professionnel. Comment est-ce que tu gères les pauses? Est-ce que toi, tu as une idée assez précise de ce que tu vas faire avant de commencer la série, peut-être avec un catalogue de pauses ou en tout cas des images que tu as imaginées? Ou est-ce que vraiment tu te laisses guider par l'instant? Alors déjà, c'est un vrai plaisir et un choix de travailler avec des gens qui n'ont pas un rapport professionnel avec leur image, qui donc ne savent pas forcément poser. Et ce qui me plaît en fait avec les gens qui, comme ça, qui n'ont jamais fait de photo ou qui ne sont pas habitués à ça, c'est une forme de naïveté dans la façon d'être. Où il n'y a pas une conscience de à quoi je ressemble, ou enfin il y a quelque chose de très, il y a quelque chose d'assez pur en fait, surtout ouais. Donc, voilà, avec un petit garçon stage là encore plus quoi, mais il y a, je trouve, quelque chose d'assez vulnérable dans le fait de travailler avec des gens qui n'ont pas donc l'habitude d'être photographiés, et dans cette vulnérabilité je trouve que c'est là que se manifeste la beauté en fait, la beauté de chacun, en distinguant bien vulnérabilité et fragilité, deux choses assez différentes. Et donc, du coup, ben, je guide. Donc, c'est des gens qui n'ont donc pas eux-mêmes l'habitude de poser. Certains ont une conscience de leur corps de par certaines choses qu'ils ont déjà fait dans leur vie, d'autres pas du tout. Mais moi, il se trouve que, en tout cas, c'est un chemin que j'ai beaucoup emprunté et qui se retrouve dans mon travail. C'est la conscience du corps, pas beaucoup de biais, mais notamment la danse. Et donc, du coup, j'ai aussi cette aptitude à emmener les gens dans un mouvement spontané, de pouvoir se déposer dans leur corps, de trouver de la quiétude avec la respiration, et d'être en confiance en descendant. En fait, c'est en descendant dans ma propre physicalité que j'emmène l'autre à descendre aussi dans son corps et à y trouver du coup du naturel et une expression pleine, touchante, vivante. Ouais. Puis je suppose que pour un enfant, le fait de tourner avec de la barbe à papa, enfin de tourner, d'avoir un shooting avec de la barbe à papa, doit y avoir un côté quand même assez ludique et gourmand. Oui, 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 ça c'est sûr. Il y en a mangé beaucoup pendant la journée. Et ouais, c'est sûr. Bon, si la mère était là, je suppose, pendant le shooting. Non, ils ont déposé Axel et puis ils sont partis et ils sont revenus en fin de journée. Et ça, franchement, c'était merveilleux parce que du coup, c'était un lien direct avec Axel, une vraie complicité. Et c'était vraiment touchant de sentir que la maman me faisait confiance. Ouais. Après, le feeling était vraiment très bien passé. J'étais venue chez eux. Elle ne livrait pas son enfant comme ça à une inconnue. Ouais. Mais, ouais. Et puis, c'est une série qui a été importante parce que du coup, elle m'a valu la bourse du talent. Donc, ouais, ça, c'est celle-ci. Ouais. 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 Qui après a fait que tu as intégré le fonds de la BNF. C'est ça, voilà, ouais. Ça. Exactement. Dans la dotation, il y a effectivement une expo à la BNF et puis qu'ils intègrent des tirages dans leur fonds. On voit en tout cas sur la lumière qui est encore une fois en lumière naturelle, on a des rendus qui sont très doux, je trouve. Tu parlais des rapports que tu avais tissés notamment avec l'enfant, avec la mère. On nous demande dans le chat, effectivement, comment tu gères les droits à l'image avec les enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ou c'est simplement, en fait, un contrat que tu leur proposes? C'est un contrat adapté à un mineur. C'est-à-dire que c'est un contrat qui est signé par les deux parents. Dans lequel du coup est précisé quel sera le contexte d'utilisation de l'image,
Et voilà, c'est un contrat qui protège autant les parents et l'enfant qu'il me protège moi, dans le sens où je suis aussi engagée à ne pas utiliser des photos dans un contexte qui pourrait être dévalorisant pour l'enfant, enfin pour la famille, et moi qui me permet de l'utilisation de la diffusion des images. Voilà. Ouais. On a vu au travers de ces deux premières séries, Cocon et Barba Papa, on s'est intéressé au regard que tu portes sur le corps comme un espace, en tout cas c'était ma lecture, mais qui évolue, qui mue, qui s'affirme, en tout cas un espace vivant. On s'est intéressé aussi à la matière. Moi j'ai bien compris, et on va y revenir progressivement dans cette émission, que tu t'es éloigné peut-être de ce rapport avec la matière, ou en tout cas on va le travailler différemment. Je voudrais qu'on creuse maintenant un autre aspect de ton travail que je trouve passionnant, qui est la façon dont tu lis le corps au vivant, dans sa globalité. On va peut-être commencer par en parler avec une série que j'aime beaucoup. Je ne suis pas sûr de bien prononcer le nom de la série par contre. Anitya, qui veut dire impermanence en sanskrit. Ouais, qui est une série que tu as fait en résidence. Est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots la série ? Oui. Alors, donc Anitya, donc effectivement, c'était en résidence de création à Deauville dans le cadre du festival Planche Contact. Alors là, il y avait aussi effectivement une fascination pour la matière du sable. J'avais en tête de travailler avec le sable depuis déjà 7 ans avant la réalisation de cette série. Et ce qui s'est donc quand la résidence m'a été proposée, qui était vraiment un contexte de création, enfin merveilleux, j'ai eu envie de mettre en regard la peau et le sable comme zone de contact qui limite deux espaces. Donc la peau qui évidemment qui est la limite du corps et qui protège, qui contient, mais aussi qui expose et met en relation avec l'autre. Et puis le littoral, donc le sable qui manifeste la limite entre la terre et l'eau. Et ces deux zones sont ces deux espaces, la peau et le sable sont finalement des espaces de rencontre éphémères et à la fois aussi sensuels. Et donc à travers cette dimension éphémère de cette zone liée à cette zone de contact, j'ai eu envie de partager une vision du temps que je perçois comme étant cyclique et non linéaire. Ouais. En tout cas, on voit bien, moi, je trouvais ce premier point hyper intéressant sur effectivement la peau, ce qui nous connecte au monde extérieur, ce qui fait qu'on peut rentrer en communication aussi sensorielle avec le monde, avec le vivant, et le sable qui est un espace de transition entre la mer et la terre, entre l'eau et la terre, puis en même temps qui est immatériel, le sable, c'est quelque chose qui est granulaire, qui n'a pas vraiment de forme et qui dure pour autant. Je crois qu'il y a des choses qui sont très intéressantes. Cet esprit, cette série est un peu particulière, en tout cas, c'est pas vraiment qu'il y a un cheminement, mais en tout cas, il y a une construction globale de la série. Comment est-ce que tu as fait pour l'imaginer ? Comme je voulais justement parler de cette vision du temps cyclique, je suis partie sur le fait de travailler avec 3 personnes différentes qui incarnent 3 moments différents du cycle de la vie. Donc il y a ce jeune homme, Kandura, quand on a fait les photos, on ne se rend peut-être pas compte en voyant ces images, mais il a 16 ans. Et lui, pour moi, il raconte vraiment ce jaillissement de la vie, d'aller expérimenter le monde, de la vitalité. Et puis, il y a une deuxième phase avec Ricardo, qui est... On va le voir ensuite, ouais. Ouais, donc Ricardo a 73 ans sur ces images et lui, il vient au contraire raconter la maturité jusqu'à l'effritement, l'effacement. Et ce sable, il raconte ça quelque part, il raconte la façon dont tout le monde redevient poussière. Le sable, il y a initialement des roches immenses qui finalement deviennent poussière avec, avec l'érosion, avec le déplacement du sable. Et finalement, c'est une métaphore de notre vie. Quelque part, on se raffine tout au long de la vie pour finalement se dissoudre.
Et puis, c'est de la dernière personne qui est présente dans la série. C'est une jeune femme qui est rousse et qui, pour moi, incarne une forme de dégel qui vient symboliser la renaissance avec une chevelure de feu comme ça et qui incarner un renouveau, quoi. Ouais. J'ai lu quelque part que, je ne vais pas citer mes sources, mais probablement dans une interview que tu avais donnée, que tu travaillais de façon arborescente en réunissant un grand nombre d'éléments avant d'aller vers quelque chose d'épuré, que tu travailles par exemple avec des mood boards. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet aspect de ton travail? Comment tu as imaginé les différents plans qui allaient construire cette série? Alors, donc, ce dont tu parles, c'est pour moi la construction, enfin, c'est le chemin de mon processus créatif. Ouais. Et je crois que c'est vraiment important d'être en mesure de porter de la conscience sur comment fonctionne notre processus créatif. Ça me paraît assez important dans la réalisation d'un travail comme ça, où il y a toute une phase à la fois de conception, puis ensuite de réalisation, puis ensuite de diffusion. Et donc du coup d'avoir conscience de comment chacun fonctionne puisque c'est pour chacun différent. Et moi effectivement je fonctionne vraiment en arborescence, c'est-à-dire que la première partie de ce travail, et notamment pour ce travail-là, c'était je m'en rappelle encore très présent, c'est je source une quantité d'informations et de directions, de pistes que pourrait prendre la série. Mais énorme. Ça va de tous les domaines de l'art, que ce soit la peinture, la sculpture, la littérature, le cinéma, énormément de récits spirituels aussi qui m'inspirent. La photo aussi, mais finalement, ce n'est pas la photo qui fait partie de mes références les plus importantes quand j'élabore des séries. Mais en tout cas, c'est vraiment. Je pose des mots, j'écris, je dessine, je rassemble, jusqu'à avoir l'impression d'avoir un arbre très très feuillu. Et puis ensuite, c'est vraiment l'idée de descendre dans le tronc de l'arbre et d'épurer, lâcher toutes les idées superficielles qui sont pas porteuses pour le projet, pour descendre dans le tronc de l'arbre jusqu'à sa racine et à vraiment se concentrer sur une idée féconde et phare. Ouais, mais tout ça en ayant quand même à l'origine l'idée phare de la série, ce que tu veux raconter au travers de cette série. Ça peut venir progressivement en fait. Ça peut venir progressivement, mais en fait, elle fait partie. En général, elle est dans un grand tout, elle est un peu noyée parmi plein d'autres choses. Mais c'est vrai que j'ai besoin d'aller explorer énormément de pistes avant de garder l'idée phare, avant d'arriver à l'épure. Et ça, je le retrouve sur une façon de... Je le trouve dans ma façon de prendre des décisions dans ma vie. C'est pareil, En général, avant de prendre une décision, je vais explorer tous les aspects et toutes les pistes d'une situation. Et du coup, finalement, dans ma créativité, c'est un peu le même chemin, quoi. C'est aller vers l'essentiel. Impossible. Ouais. Pour aller vers l'essentiel après. Ouais. Tu disais aussi, j'aime quand la forme est simple, la couleur monochromatique. Parfois, je constate que ça donne plus de place à l'histoire. On voit aussi avec cette série, le but, c'est qu'il n'y ait pas d'éléments à l'image perturbateurs, qu'on puisse se concentrer sur l'image et sur la narration. Ouais, je voulais vraiment, avec ce travail, parce que c'est vrai que c'est une résidence sur Deauville. Donc beaucoup de photographes sont passés dans cette résidence avant moi. Beaucoup ont travaillé déjà sur Deauville. Moi, c'était pas effectivement la partie ville-construction qui m'intéressait. Mais par contre, je trouve que ce qui est fort, une des choses qui me plaît dans cette région, c'est que la plage est immense. Et je peux pas dire que c'est quelque chose qui est plaisant, puisque je vais pas aller dans le détail sur ça, mais la plage n'a de cesse que de s'agrandir et la mer, quelque part, de reculer.
Et donc, elle est devenue vraiment quelque chose de phare, en fait, dans la vie de Ledeauville. Et donc, du coup, ça a été mon approche, celle de me fixer à cet endroit-là, qui, effectivement, est dénué de constructions architecturales qui viennent donner des repères temporels. Et c'est vrai que selon certaines photos, là, il y a juste quelques images de la série, mais dans la série qui est évidemment plus conséquente, il y a effectivement des moments où on peut avoir l'impression d'être dans des sables du Sahara. Il y a le sable est quelque chose de finalement d'universel, quoi. Ouais, mais on voit effectivement sur ces quelques images, mais on peut découvrir sur ton site les autres images de la série, que il y a que le sable, la mer, les personnages. On est sur quelque chose de totalement atemporel, il n'y a rien ou presque qui vient dater l'image. Oui, et comme tu disais sur le fait que effectivement ça renforce la narration, je pense que c'est aussi une façon de laisser place à l'imaginaire. C'est-à-dire que je suis synesthésique et je suis touchée par les images qui expriment le silence. Et quelque synesthésique, je ne suis pas sûre de savoir ce que ça veut dire. La synesthésie, ce sont des connexions neuronales qui font que différents sens sont connectés. Donc, devant les images, je vais entendre des sons. D'accord, ok. Ouais, voilà. Et donc, du coup, je vois que je suis souvent en recherche de créer des images qui évoquent le silence, comme justement un espace-temps suspendu entre l'inspire et l'expire. Quoi. Ouais. Et donc, il y a ce rapport à quelque chose qui est assez épuré et qui permet à chacun d'imaginer, en fait, de pas trop donner de guide dans le sens de rail, mais de laisser au contraire place à l'imaginaire. Et je crois que une des raisons pour lesquelles j'aime tant les couleurs organiques chères, c'est justement parce qu'ils nous plongent dans quelque chose de charnel, et donc c'est quelque chose qu'on connaît tous, auquel on peut tous se raccrocher d'une façon ou d'une autre. Tu parlais tout à l'heure de cycles, de temps qui s'écoule. On voit bien l'idée du temps qui s'écoule avec l'image précédente, avec cette image où on découvre aussi la deuxième modèle dont tu nous as parlé tout à l'heure. Y a l'idée de boucle, de cycle, d'un rapport au temps qui, je crois, est important, cette idée cyclique du temps pour toi. Oui, complètement. Ben là, sur cette image, c'est vraiment de façon très littérale la mort et la renaissance, qui est une vision du temps qui est celle des sagesses orientales, qui est effectivement pas tellement une vision du temps qu'on cultive chez nous, mais au final, qui est beaucoup plus proche de celle de l'observation de la nature. Ouais. Et l'image, la nature est cyclique. Excuse-moi, vas-y. Non. Je rebondis sur ce que tu dis et j'étais en train de me dire en regardant les images que le sens aurait été totalement différent si les images, l'ordre des images avait été inversé. Effectivement, là, on est dans l'idée de cycle. Il y a la mort avant la renaissance. Tout à fait. Et justement, c'est quelque chose aussi que j'ai pensé dans la scénographie de l'exposition, de la première expo de cette série, qui était dans le cadre du festival Planche Contact, où on m'a proposé différents endroits pour exposer, et j'ai eu la chance d'exposer un endroit que j'adore, qui sont des endroits avec ces grands bassins bleus juste avant les plages de Deauville. Et en fait, j'ai choisi que du coup, toute la disposition soit circulaire pour que le déplacement du spectateur soit aussi quelque chose qui suive ce rapport à la circularité du temps, quoi. D'accord. Et là, on a une modèle avec une chevelure rousse magnifique. J'aimerais bien que tu nous racontes comment tu as trouvé ce modèle, parce qu'en fait, au moment du projet, c'était pas évident qu'elle y participe. Non, en fait, une des choses qui était géniale avec le festival, là, c'est que du coup, j'avais des moyens de production qui étaient quand même chouettes et qui m'ont permis de faire venir une équipe pendant une semaine. Toute la prise de vue a lieu pendant une semaine. Et donc, j'avais à la fois une équipe qui m'assistait pour la photo et puis aussi toute une équipe vidéo. Et cette jeune femme absolument magnifique qui était là en tant que caméraman. Et voilà, je lui ai demandé de poser la caméra et de se mettre nue si elle le voulait bien pour poser. Mais c'est clair que c'est une femme qui fait aussi du mannequinat, mais c'est pas son métier principal.
enfin, elle en fait, mais je pense que c'est juste par passion. Elle est plutôt tournée justement vers le fait d'être derrière la caméra et non devant. Mais elle est, voilà, elle est absolument sublime. Et c'est vrai que j'ai une affinité particulière pour le roux et les peaux diaphanes. Et du coup, quand je l'ai vue, ben, je me suis dit que j'adorerais lui proposer de faire partie de la prise de vue à la fois en tant que caméraman, mais aussi en tant que modèle. Quoi. Ouais. Du coup, voilà, elle a posé la caméra et elle est venue poser. C'est un physique qui est proche de certains modèles, en fait, des peintres de la Renaissance, comme ça, avec des Florentines notamment, avec ses chevelures rousses, comme ça. On peut penser à ces peintures. Là, en tout cas, ça peut les évoquer. Je voudrais qu'on prenne un petit temps juste pour... là, on a vu deux, trois séries sur les premières. Cocon, Barba, Papa, on a vu le corps peut-être comme un espace en mutation, un espace qui évolue. Derrière la simple beauté des images de Anicia, on montre aussi comment le corps connecte plus largement au monde, au vivant, à ce qu'il y a de plus fondamental. Je dis plus fondamental parce que les images ne sont pas datées et ancrées dans une réalité temporelle, et il y a tout le travail avec la matière qui est effectivement passionnant, même s'il y a une évolution là-dedans. Je voudrais qu'on continue notre exploration avec deux autres séries sur lesquelles on va passer un tout petit peu plus rapidement, mais qui montrent comme ça cette connexion au vivant et notamment au végétal. La première série, c'est Dandelion, par exemple, avec comme ça des parures ornementales magnifiques et qui sont des parures qui sont des pissenlits, en fait. Oui, alors Dandelion, c'est une collaboration avec Duan Nanduk, qui est un plasticien végétal. Et donc, ensemble, on a travaillé sur le autour du pissenlit, à la fois dans sa structure boule, et puis aussi un travail aussi de pissenlit avec ses aigrettes. Et il y avait vraiment l'envie de donner un caractère de noblesse à quelque chose qui est parfois perçu comme une mauvaise herbe, lui donner un écrin de préciosité, et puis aussi quelque part rappeler évoquer les réminiscences de l'enfance à travers ce pissenlit qu'on a tous soufflé un jour en faisant un vœu, et lui donner vraiment une dimension de bijoux, de préciosité. Comme peut l'être absolument toutes les manifestations présentes dans le règne végétal. Et donc, du coup, on trouve au sein des pissenlits des incrustations de perles, de bijoux, et qui viennent se fondre dans la masse. Donc là, la photo coupe la coiffe, mais c'est une coiffe qui a un grand dard d'abeilles qui vient s'élever au-dessus de la tête. Donc, ce sont des pissenlits véritables qui ont été récoltés un à un, séchés, manipulés avec soin pour en faire des coiffes. Ça demande effectivement, j'ai vu quelques images et vidéos de l'artiste avec lequel tu as travaillé, une patience et une minutie assez impressionnant. Là, on voit... Et une écoute du vivant. Ouais. Et on voit le végétal, mais là, qui sert de parure ornementale. Dans une autre série, Étamine, moi, j'ai le sentiment que tu as travaillé comme une sorte de symbiose entre l'humain et la nature. Là, l'élément végétal est un apparat, mais n'est peut-être plus simplement un simple apparat. Il construit un être qui est presque hybride, je trouve. Est-ce que c'était une volonté ou est-ce que ou pas forcément? Alors là, ce sont des pétales de chrysanthème et de gerbera qui sont apposés à même la peau. Et c'était inspiré du plumage du hibou. La pose est inspirée du plumage du hibou. Donc oui, il y a effectivement cette idée du corps qui, par le végétal, se transforme de façon hybride. Et puis, en tout cas, pour juste un des symboles qui était présent dans la série précédente, dans De Lion, et qui, quelque part, est aussi contenu dans cette série-là,
c'est le fait que travailler avec le végétal, c'est forcément il y a forcément une évocation du cycle de la vie. Dans la série de Dents de Lion, on a recouvert le corps des femmes par les aigrettes de pissenlit qui sont elles-mêmes porteuses de la graine du pissenlit. Mmh. Donc, il y a quelque part une éloge de la fertilité, du cycle de la femme, de venir la recouvrir de graines, en fait. Donc, quelque part, c'est aussi un petit peu le sens de cette série, Étamine, qui fait partie de la reproduction de l'étamine, fait partie de la reproduction de la fleur. Mmh. Et voilà. Du coup, il y a toujours ce rapport du fait de travailler avec la fragilité du vivant et du cycle, de ce qui est cyclique. Et ça va nous amener, justement, puisque fragilité du vivant, ça va nous amener au vivant. Mmh. Et on va s'arrêter notamment sur ce livre magnifique qui est Vivant. Je le montre, mais on le voit à l'antenne, le sacre du corps qui va célébrer la beauté des corps dans leur diversité. C'est un projet au long cours qui t'a suivi pendant quelques années. Pourquoi ce projet était-il si important pour toi ? Je pense que du coup, tous les fils conducteurs qui étaient présents jusqu'à présent, que ce soit l'envie de la photographie de mode, la matière, la fascination pour les parures, historique, ethnique, végétale, l'ornementation. Tout ça, c'est complètement dissous avec le temps, comme si il s'agit de peler les couches supérieures de l'oignon et d'arriver en fait en son cœur et de travailler juste avec la parure organique, naturelle, la plus véritable, la plus vraie, celle avec laquelle on vient au monde, en fait. C'est drôle parce que ça rejoint un petit peu ton processus de création, c'est-à-dire envisager, expérimenter dans des directions pour finalement aller vers quelque chose qui est plus dans l'épure. Parce que c'est vrai que dans ce livre, on va suivre plusieurs personnages, tu vas les photographier, mais cette fois, sans apparat, ou en tout cas avec le corps comme seule parure. Tout à fait. Et même dans la forme aussi de travail, j'ai réduit mes équipes au minimum. Des fois, j'étais même seule avec les modèles. Quand vraiment j'avais besoin que quelqu'un d'autre soit là, j'avais parfois quelqu'un, mais sinon, une ou deux personnes, un assistant ou une maquilleuse aussi qui m'a suivie sur le projet. Mathilde, que je remercie sincèrement d'avoir été une acolyte de travail fidèle. Mais sinon, c'était vraiment effectivement l'envie d'être sur quelque chose de sobre et dans l'équipe et dans la façon d'approcher les gens aussi pour créer un contexte dans lequel ils peuvent se déposer, se livrer à la fois en mots et en images, parce que c'est un projet qui a été effectivement photographique, mais aussi un travail de témoignage, d'interview par les mots, et qui est pour moi tout aussi important que les photographies dans ce projet. Ouais. En tout cas. Ouais, effectivement, il y a des portraits, et c'est des portraits en images et en mots. On va l'aborder dans quelques petites secondes. Tu parlais tout à l'heure du fait que tu manipulais les matières, que tu peignais, que tu dessinais. Là, les images sont faites en studio, mais est-ce que tu peux nous parler peut-être autour d'une prochaine image du rapport de l'importance du choix du fond. Comment est-ce que tu trouves tes fonds ? À chaque fois, ils sont tellement liés au sujet que. C'était pas vraiment fait dans des studios, c'était fait dans des endroits où il y avait des arrivées de lumière du jour. Donc, du coup, ça a été des endroits où j'ai habité, des lofts qui m'ont été prêtés. Et donc, du coup, comme justement, il y a eu... déjà, c'est un projet qui s'est étalé sur le long terme, sur 7 ans. Et puis que, du coup, c'était des lieux différents, des gens différents. Il fallait qu'il y ait au moins certains fils conducteurs comme des gimmicks, en fait, qu'on allait retrouver et qui allaient pouvoir de créer un ensemble cohérent. Et donc, les fonds sont tous, sauf cette image que tu présentes juste dans cet instant, c'est parfait. Non, mais c'est très bien. Sont tous des fonds en bois. Des planches de bois que j'avais et j'en avais une certaine quantité et je les ai de toute façon changées au fur et à mesure du projet et qui je les utilisais selon la carnation de la personne, selon si on était sur des carnations un peu plus jaunes, un peu plus rosées, un peu plus sombres, un peu plus claires,
Et là, c'est vrai que la rainure du Wenge en fond venait rappeler sa chevelure, en fait, la texture de sa chevelure. Ouais. J'ai parlé tout à l'heure de personnage, j'aurais peut-être plus sûrement dû dire personnalité. C'est des personnes qui ont une histoire importante. Pourquoi est-ce que tu as voulu raconter leur histoire? Est-ce que tu peux nous raconter comment tu les as rencontrées? Alors, c'est des rencontres qui se sont tissées au fil du temps. Hein. C'est une des raisons pour lesquelles le projet a été très long, c'est que chaque rencontre est une véritable rencontre. Donc, il y a la vie, en fait, le quotidien. Ouais. Et puis aussi, il y a des gens que je suis allée chercher, notamment, par exemple, Tisha, la jeune femme que tu as montrée juste avant, qui est du vitiligo. On va la remettre, ouais. J'avais contacté l'association française de vitiligo pour rencontrer effectivement des gens qui ont cette maladie. Donc, c'est une dépigmentation de la peau, c'est ça? Voilà, c'est une maladie psychosomatique qui est une dépigmentation de la peau et qui survient suite à un choc émotionnel assez important, en fait. Et j'ai peint, donc comme tu vois derrière elle, donc je me disais, c'est la seule image qui n'est pas sur un fond en bois. J'ai peint un grand fond à l'image de sa peau avec du brou de noix, du café, des réserves de sel. Et ça, c'est une grande toile qui fait 3 mètres par 2 et qu'en exposition, elle fait partie elle est en installation dans les expositions de cette série. Et en fait, ce qui m'a fait peindre ce fond, c'est que dans les différentes études que j'ai pu lire autour du vitiligo, il y a quelque chose qui m'a touchée particulièrement, qui disait que qui faisait un écho en fait avec les animaux qui ont cette capacité de perdre leur couleur pour se fondre dans leur environnement, que notre corps pourrait avoir enregistré cette mémoire archaïque et qui pourrait donc amener l'être à réagir de la même façon dans un moment où le système nerveux passe en mode survie lors d'un choc et d'un grand trauma, et donc de ne plus être en capacité de produire de la mélanine. Ah, c'est intéressant, ça dit donc. Je comprends effectivement, et on voit bien l'idée, d'autant plus avec cette image où effectivement la personne se fond dans ce décor. C'est allié peut-être avec une pratique que tu as, qui est l'art-thérapie, qui est une pratique qui est importante. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors c'est effectivement complètement lié. Ce livre, il est vraiment à la croisée d'une approche artistique et d'une approche thérapeutique. Alors, je me permets de préciser que ce n'est pas l'art-thérapie, mais la photographie thérapeutique, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Ouais. Voilà, l'axe n'est pas exactement au même endroit. Le process n'est pas tout à fait le même, même si j'utilise... Dans la photographie thérapeutique certains outils d'art thérapie, mais c'est vraiment plus précisément effectivement un travail de photographie thérapeutique je travaille en tant que thérapeute et je reçois des gens en consultation individuelle et en collectif dans le cadre de stages et c'est vrai que ce travail il a été très fortement nourri par cette approche thérapeutique même si c'est très différent quand même de ce que je fais en séance avec ma patientèle, c'est pas le même axe de travail, mais c'est en fait un sujet de fond qui a nourri mes réflexions sur mes séances d'accompagnement, et inversement c'est aussi un travail qui a été nourri, infusé par cette pratique d'accompagnement thérapeutique où la photographie est un outil d'exploration de soi. Ouais. Et ce que je trouve extrêmement intéressant quand on suit, comme on le fait là dans cette émission, un certain parcours ou un fil rouge avec le corps, c'est qu'on a vu sur les précédentes séries comment tu connectais le corps au vivant au travers de la matière. Dans cette série, le corps est l'hiver brut, sans ornement, le corps comme seule parure, comme tu disais tout à l'heure, mais tu vas tout de même le connecter plus largement au vivant, et tu vas le faire par l'entremise
deux diptyques. On a vu la jeune fille et le loup sur l'image précédente. Là, on voit, c'est la femme à la longue chevelure avec, une, alors, je ne sais pas si c'est une chèvre ou un bouquetin. C'est venu comment cette idée de travailler des diptyques pour mettre en regard comme ça le corps et le vivant dans une globalité plus grande. Le projet s'appelle Vivant le sacre du corps, donc c'est les différentes formes de vie. Et pour moi, ça aurait été un contresens total sur le message que j'avais envie de faire passer dans ce travail, de venir isoler le corps, de venir isoler l'humain. Mais c'est au contraire, c'était une façon de parler du vivant et de notre reliance, de la façon dont nous sommes intrinsèquement reliés avec toutes les autres formes de vie. Et donc, du coup, le livre est à la fois riche de rencontres humaines, mais aussi minérales, végétales et animales. Et le corps, pour moi, voilà, on est autant contenu dans la terre que la terre ne nous contient. Il n'y a pas de séparation. On est profondément reliés, interconnectés, interdépendants avec ces différentes formes de vie. Et du coup, voilà, pour moi, ça aurait été vraiment un contresens de ne parler que de montrer que de corps, que j'aurais eu l'impression de segmenter le vivant, en fait, de le prendre juste, d'en couper une partie, quoi. On voit avec cette image, on peut avoir des gens qui ont des spécificités, des caractéristiques comme ça, qui ne sont pas forcément dans les canons standards. Sur cette image, moi, ça me frappe particulièrement. Je trouve qu'en connectant cette peau à une matière comme l'écorce, ça donne une certaine grandeur et une certaine noblesse à l'ensemble. Je ne sais pas si je formule très bien le ressenti, mais je trouve que ça appuie du coup une certaine beauté, une certaine noblesse de cette peau-là spécifiquement, le fait de la voir et de la mettre en regard de cette écorce. Peut-être que ça nous invite à décaler le regard, en fait. Ouais. À être peut-être moins sur le rapport à la maladie, mais plus sur le rapport au vivant. Et en fait, de la même façon que l'arbre, on peut suivre ses lignes de vie et son histoire en regardant son écorce et la façon dont son tronc peut être noueux, lisse, érigé, court. Finalement, quand on lit la peau, elle est aussi le support de notre histoire de vie. Donc, c'est un petit peu les lignes de vie de l'un et de l'autre que j'avais envie de raconter à travers cette rencontre et ces deux images. Oui, c'est ça. C'est le terme de rencontre qui est important aussi. La rencontre entre une personne, une matière, mais la rencontre avec la personne, évidemment. Alors, les photos du livre, on en voit quelques-unes, mais sont magnifiques. On met, bien sûr, dans le chat le lien pour retrouver le livre sur ton site. On va voir aussi certaines sources d'inspiration, peut-être, dans... tu avais évoqué, Richard Leroyd, on retrouve peut-être... une inspiration avec cette image. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est moi qui... Je crois pas spécialement sur cette image, mais en tout cas, là où il y a depuis toute petite, j'ai commencé les cours de croquis de nu, j'avais 6 ans, et j'en ai fait jusqu'à après mes études supérieures. Et du coup, en fait, on retrouve dans le corps, dans cette façon d'aborder le corps, quelque chose qu'on retrouve aussi chez Richard Leroyd, qui est un photographe qui m'inspire tout particulièrement, dont le travail me touche beaucoup. C'est un rapport au corps quelque part académique dans les façons de poser. Et c'est vrai que je dessine mes poses avant les prises de vue, tout en se laissant complètement surprendre aussi par ce qui vient sur le moment. Mais il y a ce rapport au dessin, en fait, qui est présent dans les poses. Et donc, du coup, le lien, là, pour le coup, il se fait aussi avec un travail comme celui de Richard Leroyd, où il y a quelque chose de très académique dans la façon de poser, quoi. Mais du coup, académique aussi dans le rapport à la peinture. On va en parler du rapport à la peinture. Tu parlais des beautés diaphanes. On va le voir avec une image où on va encore une fois
penser au peintre florentin de la Renaissance, notamment à la Vénus de Botticelli. Voilà, c'est des connexions qu'on peut faire, en tout cas, avec ces images. Oui, 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 tout à fait, oui, effectivement. Ouais. Et chaque personnage, vraiment chaque personne a une histoire vraiment particulière. Et là, ce qui m'a touché beaucoup dans le fait de travailler avec cette jeune femme qui s'appelle Anissa, c'est qu'Anissa, et comme donc on peut le découvrir dans les témoignages, Anissa est tunisienne, est une jeune femme qui est née albinos, donc dépourvue de mélanine, et elle fait partie d'une famille nombreuse. Et finalement, à l'inverse de quand les Africains qui sont qui naissent albinos, on continue clairement à avoir leurs origines dans leurs traits. Cette jeune femme qui est tunisienne, finalement, on ne sait plus tellement à quel pays la rattacher, à quelles origines la rattacher. Et ça lui a valu des questions identitaires assez fortes, hein, et notamment à l'enfance, elle me racontait qu'il y a eu des passages de douane où ses parents ont dû prouver que c'était bien leur fille et pas un kidnapping. Et donc, du coup, voilà, c'est aussi des choses qui... de naître avec une déficience en mélanine comme ça, ça vient dessiner la vie d'une façon bien particulière. Et dans ce projet, c'est ça, c'est raconter comment le corps est bavard et combien il vient raconter l'histoire de chacun. Et il n'y a pas besoin d'avoir une maladie de peau ou de naître sans mélanine pour ça. Tout corps, absolument tous les corps sont bavards et pour qui sait lire entre les lignes, on lit énormément de choses dans la posture, dans la façon d'être présent au monde, rien que dans sa façon de se tenir dans son corps. Voilà. C'est le langage corporel, c'est combien le corps est bavard. C'est principalement ça qui est raconté dans ce livre. C'est la mémoire du corps. Et il faut lire, effectivement, les photos sont magnifiques, le livre est magnifique, mais effectivement, les textes qui l'accompagnent, qui sont issus d'interviews, qui sont issus de discussions, viennent nourrir la compréhension qui est bien plus globale qu'on peut avoir du livre. Le livre est auto-édité, c'est une belle aventure aussi. Il y a eu un premier tirage modeste, il y a eu plusieurs retirages ensuite. On en est où là de... Enfin, on en est où? Tu en es où? Eh bien, on en est au quatrième tirage. Voilà, c'est le quatrième tirage. Le livre a été vraiment une jolie vie, a reçu le prix IP, et puis il a été présélectionné pour les prix du livre d'auteur à Arles. Il a beaucoup voyagé, il m'a amené dans plein d'espaces, rencontres, et je suis très, très heureuse de cette aventure. Et moi, je voudrais souligner le soin extrême qui a été apporté à l'objet on ne le verra pas forcément, mais la reliure sur le choix du fil à l'intérieur pour la reliure, qui est un fil brun et qui vient effectivement être totalement dans la tonalité de l'ouvrage. Sur la quatrième de couve qui est au toucher, on n'est pas loin d'un toucher d'écorce. En tout cas, il y a eu un grand soin qui a été fait aussi par rapport à la réalisation de l'ouvrage. Je vais remonter la question de Christine qui, sur le chat, nous demande si l'ouvrage est commandé sur ton site, si tu peux le dédicacer. Oui, bien sûr, oui, ça arrive souvent que... Alors, dans tous les cas, je les envoie toujours signés. J'envoie toujours tous les livres signés. Mais il est tout à fait possible aussi de m'envoyer un petit mot en me demandant de mettre une dédicace pour une personne en particulier. Ouais. Et en tout cas, moi, c'est un livre que je suis très content d'avoir dans ma bibliothèque. Je le reprécise, hein, tous les ouvrages et les photographes qu'on accueille, c'est évidemment parce qu'on a envie de les accueillir. Et les livres ont été achetés, c'est pas du tout sponsorisé comme émission, donc c'est vraiment des coups de cœur. Et là, on a un très très bel ouvrage
Je pense que ça vaut vraiment le coup, en tout cas, de le découvrir. Merci. Il a été pensé avec cœur, ouais. Et du coup, j'ai envie de préciser que il a été. J'ai travaillé avec deux directeurs artistiques pour toute la partie typographique. Donc, merci à eux, Stéphane égale Damien, qui est donc une agence de DA avec qui j'ai fait mes études, déjà avec qui j'ai un lien. Et puis, il a été entièrement imprimé avec la complicité des équipes d'Escourbillac, qui m'a aussi accompagné dans ce projet. Avec soin. Ouais. Et Escourbillac est quand même une référence effectivement pour l'impression de livres photos. C'est du très très bel artisanat, vraiment. Merci. Donc, et merci beaucoup Isabelle d'avoir pris le temps de discuter avec nous. À une époque où on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de réalité ou d'hommes augmentés, je trouve ça réjouissant et important de rappeler de quelque chose de simple et qui est pourtant fondamental, c'est que l'être humain fait partie du vivant, est connecté au vivant, au végétal, au minéral, à la terre. Je trouve que tes images le montrent avec beaucoup d'élégance, de poésie et de tendresse, donc je suis très content qu'on ait pu les montrer. Merci, merci beaucoup. Tu restes avec nous. Oui. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour le tour de table recommandation. Va nous rejoindre pas plus tard que tout de suite. Frédéric. Pas plus tard que tout de suite. Pas plus tard que tout de suite. Merci encore de m'avoir parlé du travail d'Isabelle et je suis ravi qu'on ait pu le montrer. Je précise, tiens, pour ceux, parce que tu m'as orienté vers son travail, mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qu'en plus d'être photographe et chroniqueur chez nous, tu animes un site 5 rues du, dont on va mettre le lien dans le chat, dans lequel tu chroniques de nombreux livres photos et qui, pour tous ceux qui veulent suivre un petit peu l'actualité de l'édition photo et de l'édition photo indépendante, c'est une mine. Voilà. Merci. Merci. Et ce soir, en artiste du contre-pied, tu as décidé pour cette chronique de t'intéresser au mensonge. Alors qu'on était sur le vivant et la vérité du corps, tu as pris le contre-pied. Le mensonge en photographie. Oui, alors derrière ce titre un petit peu provocateur, je me suis intéressé pour ma chronique donc dans Culture Photo à la photographie truquée. Alors je ne dis pas retouchée, parce que retouchée c'est quand même très connoté Photoshop, photographie numérique. Moi je dis bien photographie truquée, photographie qui ment. Et en fait, depuis que la photographie existe, elle a été source de trucage. Alors c'est pas tout nouveau le truquer, faire mentir les photos. Et donc on a des montages, des faux, des mises en scène, on va voir ça après, et ce n'est pas quelque chose de récent, hein, et ça j'insiste là-dessus, et ça permet de mettre un peu les choses au clair. La photographie, je pense que c'est un mensonge, et ça c'est un point de vue assez personnel qui fera peut-être l'objet d'une autre chronique. Ah bah écoute, Picasso disait « l'art est un mensonge qui nous permet de saisir la vérité ». Voilà, tu as 3 heures pour plancher sur le sujet, mais pour le moment, c'est le mensonge dont on parle, et le mensonge, c'est pas nouveau. Oh non, 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 le mensonge, on le sait depuis Abel et Caïn, c'est très vieux. Donc les arts en général ont tendance à modifier la réalité. En effet, par sa nature propre, l'art permet de donner une vision idéalisée des choses. Ça a même longtemps été sa fonction, ou une fonction religieuse. Et comme nous sommes en compagnie d'Isabelle et de son travail magnifique sur le corps, j'ai pris 2 œuvres classiques où le corps est sublimé. Alors le premier, c'est une sculpture qui date d'environ 420 avant Jésus-Christ, réalisée par le sculpteur Polyclète, et qui s'appelle le Duadumène. Et Polyclète, c'est un sculpteur qui avait établi des canons de beauté très très stricts, très précis, donc des règles qui permettent d'ériger la beauté du corps à sa perfection. Et donc il nous disait, Polyclète, la hauteur totale équivaut à 7 fois la hauteur de la tête, qui est également la longueur du pied posé et la distance entre les 2 pointes des seins. Le torse s'inscrit dans un carré, donc c'est une somme de proportions permettant d'avoir un corps humain parfait et idéal. Mais en dehors de toi, Ilan, et peut-être de Sylvain, je ne connais pas grand monde qui les respecte. Ouais, t'as raison. Je suis parfois très respectueux des conventions. Merci de le noter. Je t'en prie. Par ailleurs, on connaît toutes et tous l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, qui établit une perfection en utilisant le nombre d'or et des proportions idéales et divines. Bon, tout ça pour dire que depuis toujours, les artistes, cherchent à donner à la réalité une apparence de perfection. Et par conséquent, il n'hésite pas à remodeler la réalité, à la déformer, à la truquer.
Et bien évidemment, bah, la photographie va aussi modifier les choses. Les photographes vont modifier les choses. Alors, tout à l'heure, Gilda nous a parlé de Hippolyte Bayard. Et c'est peut-être la photo truquée la plus ancienne que l'on connaisse, puisque cet autoportrait en noyer était réalisé en 1840. Alors, il y a peu de temps, hein, Gildas a commencé à l'évoquer, que la photographie existe, elle balbutie, elle se cherche, elle s'invente, elle se découvre, et un certain Nicéphore Niépce a mis au point l'héliographie. Parallèlement, Daguerre et Bayard, chacun de leur côté, perfectionnent le procédé, mais c'est Daguerre qui aura tous les lauriers. Hein, la photo, on l'attribue généralement à Niépce et Daguerre. Bayard, alors, décide de se mettre en scène dans cet autoportrait au noyer, qu'il accompagne d'un courrier adressé aux autorités, dont je cite un extrait assez court. « Le cadavre du monsieur que vous voyez ci derrière est celui de monsieur Bayard, l'inventeur du procédé dont vous venez de voir et dont vous allez avoir voir les merveilleux résultats. Le gouvernement, qui avait beaucoup trop donné à monsieur Daguerre, a dit ne pouvoir rien faire pour monsieur Bayard et le malheureux s'est noyé. » Bon, je ne vais pas revenir sur la pose, hein, Gildas en a parlé, qui est très inspirée de la peinture, mais voilà, on a la première photo qui travestit la réalité, qui ment. Parce qu'on pourrait effectivement croire que Bayard s'est noyé, si on regarde notamment les mains noircies, il paraît que c'est un signe des cadavres qui se seraient noyés. Bon, je ne suis pas très au point là-dessus. Non, je n'ai pas une connaissance très aboutie du sujet, mais en tout cas, on imagine que ces mensonges vont être utilisés par la suite pour servir certains intérêts. Oui, parce que autant bon, Bayard, il y a quelque chose d'un peu comique. Petit à petit, la photographie va devenir le support idéal pour donner une vision parcellaire, modifiée, truquée de la réalité, et très très souvent à des fins politiques. Alors, un des exemples les plus anciens que j'ai pu trouver, c'est un Français, Eugène Appert, qui est le premier à utiliser la photo pour tricher, quoi. On est en 1870, la France vient de perdre la guerre contre la Prusse, hein, c'est le moment où on perd l'Alsace-Lorraine. Et il y a un mouvement révolutionnaire qui secoue Paris, qui s'appelle la Commune. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais en gros, la Commune professe des idéaux libertaires, anarchistes. Ils sont notamment menés par Louise Michel. Et le gouvernement, donc la Troisième République, qui est installée depuis très peu de temps, pour assurer sa, entre guillemets, sécurité, va écraser la Commune dans le sang. Bon, le problème, c'est que quand on écrase quelque chose dans le sang, il faut justifier les massacres. Et il faut trouver des prétextes. Et Appert va en fournir plusieurs en fabriquant des photomontages, comme celui qu'on a à l'écran, où il met en cause les insurgés. Donc là, on voit les insurgés en train de fusiller, de tirer sur des religieux. En fait, au préalable, Appert, il avait des clichés. Hein, il avait un cliché d'un côté des insurgés, des clichés de l'autre des religieux. Il a bricolé tout ça, hein, pour ce qu'on pourrait appeler de la propagande. Il y a 7 de ces images pour les Parisiens qui sont visibles au musée Carnavalet. Donc on voit plusieurs images, une où les insurgés fusillent des militaires, d'autres des prêtres, bref, commettant les pires horreurs, et on est dans une France qui est très militaire, hein, c'est l'époque de MacMahon, et une France aussi qui est très très catholique, hein, c'est la séparation de l'Église et de l'État, c'est que 35 ans plus tard. C'est bien évidemment des faux grossiers, ça se voit à l'image, mais on va les publier dans ce qu'on appelle les gazettes, hein, les journaux de l'époque, et ça va servir à la propagande de la Troisième République pour enterrer la Commune. Mmh. Et donc si Appert est un précurseur, hein, voilà les insurgés qui fusillent un militaire et un prêtre, qui on voit bien qu'ils sont collés, le trucage va devenir petit à petit monnaie courante et va prendre une ampleur assez importante tout au long du XXe siècle. Alors on va voyager un petit peu, on va aller jusqu'en URSS. Alors l'URSS, Staline arrive au pouvoir en 1929, hein. Staline c'est le monsieur qui se prend pour Napoléon sur la photo, et il instaure un régime de terreur, hein, à partir de 1934, basé notamment sur ce qu'on appelle des purges. Hein, dans la purge dans lesquelles il fait disparaître ses ennemis, alors ennemis avec tout un tas de guillemets, c'est tous les gens qui le gênent en fait, et puis bon, Staline est paranoïaque. Et là, vous avez un très très bon exemple de comment truquer la photo, tricher avec la photo. Donc la photo originale, c'est celle qui est sur la gauche, hein, où il y a 4 personnages. On a Staline qui se promène le long d'une rivière ou un fleuve, je ne sais pas où, et il est avec quelques personnes, et notamment ce monsieur à droite, qui a les mains dans le dos,
Il s'agit de Nicolas Yejov. Alors Nicolas Yejov, c'est le chef du NKDV, c'est-à-dire la police politique de Staline, des gens qui ont vraiment l'amour de leur prochain. Et Yejov est quelqu'un d'extrêmement puissant. Malheureusement, Yejov va déplaire à Staline et va être exécuté. Mais comme Staline a compris, en grand propagandiste qu'il est, l'importance de l'image, il fait disparaître, et là je parle au sens littéral du mot, Yejov de l'image. C'est-à-dire que sur l'image de droite, il n'y a plus de Yejov. Et toutes les images dans lesquelles, sur lesquelles était Yejov disparaissent. Ouais, il ne suffisait pas de faire disparaître la personne, les opposants, mais il fallait faire disparaître jusqu'à leur souvenir. Oui, c'est ça. Effectivement, et effacer toutes les traces. Ouais. C'est ça. Ça va même aller plus loin, pour la petite histoire. L'entourage de Yejov va être exécuté aussi, hein, pour qu'il n'y ait plus de souvenirs de Yejov. Ça ressemble à 1984, où en fait, on fait disparaître les gens complètement. Bon, on va continuer avec les dictateurs du XXe siècle, et Mussolini va faire exactement de même. Hein. La photo originale, c'est celle de gauche. Visiblement, il a un peu de mal avec son cheval. Donc, on demande à un palefrenier de le tenir. On efface le palefrenier, on met un peu de densité dans le ciel, hein, histoire que les nuages soient bien... Voilà. Et le dictateur, on dramatise le ciel, et le dictateur gagne en crédibilité avec son glaive inspiré de la Rome antique. Il n'est plus ridicule avec quelqu'un qui doit tenir le cheval. Et là, pour terminer, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer cette photo extraite du Parisien Magazine. On peut reconnaître à gauche l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, donc en plein effort, et dans la revue, il explique qu'il est un bon grimpeur, qu'il adore le vélo. Et sur cette image de droite, il est grand, seul, bon. Bon, il a juste fallu effacer le garde du corps, hein, qui est peut-être un peu plus grand, un peu plus beau, un peu plus fort que le président. Ouais. J'ai regardé parce que je me suis interrogé sur cette image quand on va dans le métro, qu'on se promène dans la rue. Pour chaque publicité, on voit photo retouchée et c'est marqué spécifiquement. Je me suis posé la question de pourquoi c'était pas obligatoire sur ces images. Et en fait, la mention photographie retouchée que l'on voit sur les publicités n'est étrangement obligatoire que, et là je cite, sur les photographies à usage commercial des mannequins en cas de traitement de l'image visant à affiner ou à épaissir la silhouette. Oui, c'est une loi qui a été faite aussi dans l'idée d'éviter aux jeunes gens, aux jeunes filles, jeunes hommes, de se lancer dans des régimes drastiques, bon, etc. La disparition d'un garde du corps ne fait pas partie des textes non. de loi. C'est à cause de la tenue. Je ferme la parenthèse, pardon. Bon, le corps, donc, on vient de le voir, était un enjeu politique, hein, que ça soit de Appert jusqu'à Mussolini. Ça va devenir aussi, en photographie, un enjeu de réflexion. Et là, je voudrais mettre trois photographes en avant. Alors, tout d'abord, un duo, donc c'est pour ça que j'ai trois photographes, parce que le duo, c'est Anthony Aziz et Sammy Kusher, qui sont connus donc, plutôt sous le nom de Aziz plus Kusher. Ce sont deux photographes américains contemporains, et qui ont beaucoup travaillé dans les années 1990 à travers deux de leurs séries, donc une qui s'appelle Face, Honor and Beauty et l'autre qui s'appelle Dystopia, sur le corps et sur la magnification du corps. Donc dans cette première série, hein, qui s'appelle Face, Honor and Beauty, qu'on pourrait traduire par foi, honneur et beauté, on retrouve des corps masculins, hyper musclés, etc., et totalement asexués. Presque des corps parfaits, avec des armes. Hein. Ça fait penser un petit peu aux figurines G.I. Joe, ces figurines comme ça, hyper viriles, qui sont, parce que ça existe encore, un peu les pendants masculins des Barbie. Oui, c'est ça. On pense vraiment aux G.I. Joe, et puis cette rhétorique militaire. Et donc, il y a quelque chose d'assez effrayant, en fait, derrière cette réalité créée par Aziz et Kusher, donc c'est de la retouche numérique. Et puis, derrière le slogan qui sert de titre, parce qu'on a une époque charnière, à la fin des années 90, 95-96, où on parle cybernétique, on parle Internet, c'est des choses qui, nous paraissent, voilà, on en est à l'IA, mais Internet, c'est une vraie révolution, on parle aussi de clonage, on a cloné Dolly, la première brebis, et ce qu'imagine Aziz et Kusher, bah, finalement, c'est le monde de demain, couvert d'augmentés, une sorte de monde parfait, qui, moi, me rappelle le roman d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. C'est quelque chose d'extrêmement effrayant. Et dans leur autre série qui s'appelle Dystopia, ils mettent en scène des visages dont tous les orifices ont été recouverts numériquement, c'est-à-dire le nez, la bouche, les yeux et les oreilles, hein, comme on peut le voir à l'image.
Alors, je rappelle rapidement ce que c'est qu'une dystopie. Une dystopie, c'est un genre littéraire et puis qui a été étendu au cinéma, qui imagine notre monde dans un futur proche ou pas très lointain et d'une manière extrêmement sombre. En littérature, c'est le roman que j'évoquais juste avant, 1984, de George Orwell, avec Big Brother. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose de particulièrement glaçant hein, dans ces visages muets, aveugles. Aziz et Kusher, ils inventent un monde où la communication a disparu, où les individus se retrouvent enfermés en eux-mêmes, avec des fonds très unis, mais assez angoissants. Je trouve que les deux fonds qu'on vient de voir sont assez angoissants. Et quelque part, avec un peu de recul, on est en 2024, trentaine d'années plus tard, il y a quelque chose d'assez prémonitoire, je trouve, dans ces images. Le téléphone portable, le virtuel, c'est des espaces où, malgré les apparences, finalement, on est globalement coincé. Hein. On reste entre nous, mais surtout avec nous, et finalement, ces moyens de communication réduisent la communication. Hein. Alors bon, c'est un peu étrange de dire ça, parce qu'on est à distance l'un de l'autre, mais voilà, il y a aussi peut-être, hein, c'est une vision que j'ai de ces images, une dénonciation de la perte de la liberté d'expression que subissent ou risquent de subir nos sociétés. Liberté qui disparaît quand même par moment et qui condamne l'individu à être enfermé en lui-même. Alors l'autre autrice que je souhaitais présenter, c'est Agnès Joffré. C'est une photographe française contemporaine et je voulais présenter sa série Incidental Gestures, qu'on pourrait traduire par gestes accessoires, qui a été réalisé dans les années 2010. Alors, Agnès Joffré s'empare d'images vernaculaires, donc je vous rappelle, les images vernaculaires, c'est les photos de famille, hein, enfin ce genre de choses, d'images d'archives qu'elle retravaille. Alors j'en ai sélectionné deux. Celle-ci, où on voit un jeune homme, le visage abîmé, hein, c'est une gueule cassée, c'est ces soldats qui sont revenus de la guerre de 14 avec... le visage très abîmé par les éclats d'obus ou des fois par une balle de fusil. Hein. Donc, voilà. Mais Agnès Joffré, par la magie de la retouche, elle lui redonne un nez, elle lui redonne un visage, entre guillemets, présentable. Hein. Elle lui redonne cette apparence qu'il a perdue à jamais. Et donc, c'est aussi ça, la magie de la série d'Agnès Joffré, c'est de réhabiliter un petit peu ces gens qui ont atrocement souffert. Et je voulais donc montrer un second diptyque qui, moi, m'a bouleversé parce que quand je l'ai vu en exposition, les photos étaient séparées et assez éloignées l'une de l'autre. Donc, sur cette première image, on voit une femme dénudée qui est entraînée par une foule masculine. C'est une image assez connue. On est à la Libération 44 et tous ces messieurs très glorieux vont donc dénuder cette femme, la mettre en public et puis la tondre. On sent bien le respect. Et donc, par la retouche, qu'est-ce que va faire Agnès Joffré? Elle va la rhabiller. Elle va lui mettre une robe. Et on pourrait penser peut-être à un bal populaire, à quelque chose d'un peu plus joyeux, en tout cas. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement humain dans ce travail d'Agnès Joffré, que ce soit la gueule cassée ou cette jeune femme. Parce qu'en plus, dans les expos, comme je viens de le dire, elle met des photos très loin l'une de l'autre. Et on ne sait pas quelle est l'originale, en fait. On ne sait pas si c'est d'abord la femme avec la robe puissante, et en fait, non. Et voilà, et moi, je suis assez bouleversé par cette série d'Agnès Joffré. Alors, j'aurais pu aussi parler retouche beauté, comme tu l'as évoqué rapidement, Ilan, mais c'est, à mon avis, encore un autre sujet. Voilà, ce que je voulais que les spectateurs comprennent, c'est que la retouche, ce n'est pas né avec Photoshop, et la retouche, quand c'est bien fait, ça peut être utile. Le trucage, c'est ni bien ni mal. Hein, voilà, c'est plutôt l'usage qu'on va en faire qui sera positif ou négatif. Hein. Ce qu'en fait Agnès Joffré, c'est magnifique. Ce qu'en faisait Staline, beaucoup moins. Je crois qu'on peut le dire. Voilà. C'était ma conclusion. Merci Frédéric. Avec plaisir, Ilan. Pour ta chronique. Et puis je trouve joli de terminer sur un mensonge qui réhabilite, un mensonge qui rend la dignité. Mais, et je trouve ça important, qu'il n'oublie pas de montrer ce qu'était la photo originale. Moi, j'aurais lu totalement différemment cette série si elle n'était pas, les photos retouchées n'étaient pas mises en regard de la photo d'origine. On arrive sur le dernier temps de l'émission. On va retrouver Isabelle et Gilda qui vont nous rejoindre pour ce petit tour de table, un petit tour de table aux recommandations où chacun, on va vous parler d'un photographe, d'un regard ou de quelque chose qui nous importe. Isabelle, si tu le veux bien, je propose qu'on commence avec toi, avec
Richard Leroy, dont on a un tout petit peu parlé déjà. Ouais, bah en fait c'est un photographe anglais qui travaille avec une caméra obscura et qui construit du coup à chaque endroit de prise de vue sa caméra obscura, sa chambre et sa chambre photographique et qui sont donc des espaces qui je pense doivent facilement faire 3 mètres sur 3, donc des grandes boîtes. Un appareil photo qui fait du coup de la taille d'une pièce et dans laquelle il y a un trou dans lequel il y a un objectif et qui va du coup permettre de capturer le modèle. Il travaille beaucoup sur le corps et puis aussi sur les natures mortes avec un niveau de détail qui est absolument dingue, qui du coup génère une proximité palpable avec le modèle. Et ce sont des photos à vivre plus qu'à voir comme ça sur Internet, dans le sens où les tirages, chaque tirage est unique, puisqu'évidemment, au fond du sténopé, il y a un papier photosensible qui va être l'unique tirage qui sera disponible de la photo prise. Et en fait, la technique du sténopé permet de rendre les détails d'une précision extrême qui est décuplée, qui est plus grande que celle de ce qu'on peut voir à l'œil nu, quoi. Donc, on a vraiment l'impression, au contact de ces photos, de rentrer dans les pores de la peau, dans le moindre petit poil, cheveux. On est vraiment en lien avec l'humain et presque dans l'envie d'aller toucher l'intérieur du corps, je trouve. Très bien. Merci, Isabelle. Richard Leroy, on remettra les références dans le chat pour que vous puissiez aller voir, alors, si ce n'est en vrai, en tout cas sur le site, certaines de ces images. Frédéric, on va poursuivre avec toi, avec un photographe dont je me garderai bien de prononcer le nom. C'est facile, c'est Lyubicha Danilovitch. Lyubicha Danilovitch, c'est un photographe français qui va... Et donc, je voulais parler de sa série Georgia, qui va être exposée cet été aux rencontres photographiques d'Arles dans le Hin. Il va être exposé à la Fondation Manuel Rivera Ortiz. Georgia, en fait, il a sous-titré son travail Une histoire des migrations. Et Lyubicha, en fait, a des origines en ex-Yougoslavie et a été photographié les migrants dans cette région du monde, en inventant parallèlement l'histoire d'un homonyme, Lyubicha Danilovitch, dont il a trouvé les traces, qui vivait aux États-Unis au début du XXe siècle. Et il met en regard ces deux migrations. Il y a un livre qui est paru aux éditions La Main d'Homme et que je ne peux que recommander. C'est un livre magnifique. Et le travail de Lyubicha, cette série particulièrement, c'est quelque chose de très, très touchant parce qu'il a il est photoreporter initialement, Lyubicha, mais il y a quelque chose d'extrêmement délicat dans son travail, d'extrêmement humain, une approche des migrations extrêmement... J'aime pas dire ce mot, mais sensible, mais c'est assez imparfait. Donc voilà, si vous passez par Arles, allez voir son expo. Et si vous n'avez pas l'occasion d'aller à Arles, achetez son livre aux éditions La Main d'Homme. Très bien. On a mis en tout cas, et Sylvain et moi, donc en double, les références sur le chat. Sylvain, maintenant, je n'y touche plus, je te laisse les mettre. Et Gilda, maintenant, on va parler de ta recommandation, Lettres sur la lumière. Ouais, même si je rejoins pas mal celle de Frédéric, et c'est un très bel ouvrage que je conseille également, très bien édité, comme bien souvent chez La Main d'Homme. Alors, Paul Oroversi et Emmanuel Coccia, c'est un ouvrage qui est sorti il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 semaines, je crois, j'ai là dans les mains, je vous le conseille fortement. Alors, en gros, Paul Oroversi, on ne présente plus, mais c'est un photographe de mode et portraitiste, qui est d'ailleurs actuellement exposé, il y a une très belle expo, qui a lieu au Palais Galliera, je crois que c'est jusqu'en juillet, le 14 juillet. Donc ça, c'est à voir si vous passez par là. Un très beau catalogue d'expo d'ailleurs également pour cette exposition. Et là, c'est un peu à part, car cet ouvrage, c'est un recueil de 160 pages de dialogue, j'ai envie de dire de correspondance, entre ce photographe, Paolo Roversi, et le philosophe italien, Emmanuel Coccia. C'est des échanges qui ont toujours le même rapport, c'est-à-dire par rapport à la lumière. Donc, c'est vraiment le sujet principal. On pourrait dire que Paolo Roversi se qualifie souvent comme un photographe lent. C'est lui-même qui le dit. Hein. Il travaille avec une chambre photographique, la pratique du studio, etc., etc. Et là, il prend vraiment le temps dans ses lettres qu'il écrit à Emmanuel Coccia de parler de comment il perçoit les choses, la lumière,
les sujets, l'acte photographique, l'espace photographique également. C'est un ouvrage qui est chouette parce qu'en plus, il y a plein d'images à l'intérieur. Il y a au moins une cinquantaine d'images très bien imprimées. Et dans l'une des premières lettres, et je finirai là-dessus, il y a une petite phrase que j'aime beaucoup, écrite par Roversy, qui est « Nous sommes tous de petits employés du soleil, de simples scribes, le dos courbé sur nos Rolleiflex, occupés à copier ses dessins. » Comme quoi tout vient de la lumière, et sans elle, on serait peut-être rien. Voilà, à lire absolument, c'est un très très bel ouvrage. C'est très joli, en tout cas. Roversy, il y a une expo en ce moment au Palais Galliera qui est magnifique. Très très belle. Si vous êtes sur Paris, il faut y aller, d'autant que les glycines sont en fleurs autour du Palais Galliera, mmh. et que c'est un plaisir. Je voulais terminer cette émission en parlant de Roversy. Il se trouve que j'ai changé hier mes plans. Une grande pensée pour Jean Turcot, qui est décédé récemment. Jean, c'est quelqu'un que je connais depuis 15 ans. On a fait des livres, on a fait pas mal de livres aux éditions Pearson ensemble. C'est quelqu'un qui avait une plume généreuse, qui partait très emphatique. C'était très drôle parce que le premier livre qu'on a fait ensemble, je pensais faire un livre de 320 pages sur la photo de nu. Il m'a rendu un manuscrit où j'avais plus de 420 pages parce qu'il avait une plume qui effectivement se laissait emporter et c'était un plaisir à lire. Il a travaillé avec nous aussi pour Studio Gimini. Il a fait deux tournages. Il les a fait par amitié. Il a été super généreux avec moi pendant toute ma carrière, vraiment en m'aidant et en nous aidant avec Sylvain, en nous disant toujours si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vous aide en toute amitié et gracieusement. Voilà, il est mort il y a peu de temps. C'est quelqu'un qui travaillait la lumière de façon magnifique avec des noirs et blancs ciselés et très très beau. Voilà, je voulais terminer cette émission avec une grosse pensée pour lui. Et voilà, en tout cas, quelqu'un qui a été important pour moi, toute ma carrière. Donc, merci Jean, merci à tous les trois, Isabelle, Gildas, Frédéric, d'avoir fait cette émission avec nous. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci évidemment à Sylvain qui est en coulisses et qui a fait que, encore une fois, cette émission est un succès technique en plus. Voilà, j'espère que vous avez passé avec nous un bon moment. Je vous dis à bientôt et puis portez-vous bien. À bientôt. Salut. Au revoir.